Hier après-midi, mercredi, à la guerre, un terrible accident qui arrivait dans la commune à Kayer, côté, plus passé, yon, vingtaine de monde perdit la vie, d'après toutes, données, là, c'est deux bus qui eux-mêmes qui assuré et transport, trajet, Port-au-Prince, Gonaïve, et même tout, yon gros bus qui assuré trajet, et Port-au-Prince, et puis, c'est domaine d'après information, yo, c'est ça qui t'a capable de priver jeune, mais, deux machines, ça, yo, qui t'ai fait collusion, qui frappaient ensemble, dans zone Williamson, dans la commune, des bouquets après-midi mercredi à la bilan partiel toujours j'ai dit bilan partiel avait dit pour confirmer bilan définitif là gagné 21 moun qui yo même ta censé blessé qui ta censé perdre la vie et yon trentaine l'autre sorti blessé d'après toute information équipe opérationnelle la protection civile communale lui même ta mené lié après yo t'ai après un nouvel accident ça mais yo t'ai censé recenser sur place 21 moun qui mouri et yon trentaine qui blessé selon premier témoignage yo mais c'est minibus là lui même qui fait Port-au-Prince avec Saint-Marc qui t'a tenté doubler yon l'autre machine et qui bap pou bap la croisé frappé avec gros bus ça lui-même qui côté petit bus ça que les tias c'est pas d'appel comme ça souvent relé yo li ployé tant qu'on fait papier et 14 monde t'as bien 14 monde selon juge de paix qui a fait constat hier soir qui t'a parlé dans beaucoup de la parole avec Ismaël Valestin li dit ça non constat pas l'arrivé 14 monde qui était en dans petit bus ça relé petit pas d'appel tias là toutes 14 monde ça a mouri. Tout 14 moun qui étaient dans Tibusa, tout 14 moun ça a mouri. Grand moun qui pas mouri comme si qui était censé quitter dans Tibusa, mais c'est pas dans le tayé, c'était un citoyen qui était dans un petit échelle qu'on mettait derrière de Tibusa. C'est lui qui va mourir. C'est lui qui comme survivant qui témoigner qui expliquer ça. Et c'est celle lui-même qui va mourir. Après ça tout l'autre monde qui était dans Tibusa, tout moun yo mouri net. Et l'autre gros bus qu'il frappe ensemble avec là, lui-même tout li couché en bord, là il frappe dans poteau, sous bol frappé là, sous bol tombé là. Sur certains et pour être capable de tout donner est-ce que moun qui était dans beaucoup de gros bus ça lui-même ni frappe le coucher ya li accidenté est-ce que gamin qui mouri et là dedans tout mais ça le dit pour petit bus ça lui-même tout monde qui était dans le mouri sans côté l'autre monde qui blessé mais ces situations ça t'est gagné hier après-midi dans commune Akaye surtout dans localité Williamson après terrible accident ça qui pourrait aller la vie plus passer y ont vingtaine moun sans compter y ont trentaine l'autre qui y sorti blessé hier mercredi dans cadre accident ça qui fait là que jusqu'à présent stop accident comme est-ce qui travaille dans causer accident mais il est toujours demandé avec autorité concernée toujours demandé avec monde qui dans secteur transport faut que faire pile prudence parce que et accident souvent fois l'air au fait yo pote aller la vie en pile monde. Port-au-Prince connaît une journée tension hier mercredi côté plusieurs zones dans zone métropolitaine été bloqué à cause citoyen examen kidnappé mardi 27 avril là pendant journée en Bois-Vernat été bloqué avec un camion yo croisé dans route là boulé caoutchouc citoyen demande de libération sans condition Yuri Derival qui c'est un étudiant sciences humaines en suivi un reportage à collaborateur nous Alex Gauthier. Bien bonheur matin, mardi 28 avril là, plusieurs citoyens bloqués route Bois-Vernat pour dénoncer enlèvement Yuri Dorival, yon jeune dans zone ça, nèg exam kidnappé dans la nuit 27 avril là. Pendant mouvement ça, citoyens yo croisé yon camion dans route là, boulé en pile caoutchouc dans toute zone là, même motocyclette pas de traverser. Quelques témoins a expliqué comment kidnappé était à l'aise pour opérer. Nous avons bon tibier, nous sommes finis avec nous. Et nous paraîtrons, quand on s'est accouché dans la bise, madame, là, 20 du soir, 8 nous paraîtrons descendre nos machines, 8 pas finis. Et allez, nous disons, monsieur, montez machine. Nous montez machine, nous sommes décampés, mais tirez comme. Les métiers comme, nous font écarter, même tellement tremblés, nous saisis. Mon cher, on partage nous, nous sommes ensemble avec l'autre négo là, même hier soir. Nous descendons à gros âmes, manches longues, nous prenons monsieur à la avec lui. Nous fouillons l'autre négo. Dans le téléphone, nous prenons boussio. Mais c'était notre machine, nous prenons les avec. Bien sûr qu'il y a là avec. Nous à toute machine. Mais machine n'a pas même boulé, non, machine aux amis. Citoyen, yo, qui était mauvais, koukong, menacé, kembe out la bloqué, jusqu'à ce que yo jeune libération, jeune étudiant, qui jusqu'où n'y a, non, mais bandio. Nous faisons un mouvement, ça là, parce que, on est parfois les kidnappés. Parfois, non, souvent, faut aller au kidnappé, mon yo. Comme si tout le monde a un grand moyen pour lui, mais nous-mêmes, nous n'avons pas un moyen pour ça. Donc, nous demandons des libérations, yo, sans condition, parce que,
nous pas moi et mon albay 50 000, 200 000, 300 000, loin des libérations sans condition. Donc tout le pas libéré n'a pas même l'argent. Jean Elie avant ça, c'est qui autorité bien autorité. Moi j'ai 9 et m'a pas aller à voler gang qui ça me qui pour la gagne là et nèg yo prend yo la gagne va qui autorité gagne autorité. C'est toute forme insécurité qui blaye dans le pays. Kidnapping, assassinat, vol et latrier, Boisvena, par exception. C'est une calamité, habitants ont passé dans la zone ça, même devant la caillou, yo presque pas kachita, d'après témoignage. Mon cher, moi, il y a créé Genève, Jovenel et Léon Charles. Il y a créé Genève. Ouais, depuis les Genève, on va arracher. Imaginons nous là, si nous avons un petit papa d'abri 7h10 soir là, on va prendre non. On va camper là, nous même, dans la nuit. Voler pour nous, on va aller à la voie là. Depuis 5 heures là, la blanche, nous même, on va vivre dans le pays, comme ça, monsieur. Stress dans le monde d'amour, voler dans le monde d'amour, kidnapper dans le monde d'amour, misère dans le monde d'amour, encore monsieur, bah là bon. Phénomène kidnapping nan perd du frein net dans la société. Autorité semble bay vague pendant que di yo vin pi à l'aise. Kounya, même en dan kayou pa épanye. C'est ka Manuel Gastouin Orival, monsieur yo kidnappé la Kaili Aemadia. Joseph Jout te vin à cause de TTA qui se yon échec total. Yon nouveau PM rive, bagay la vin pi empire. Personne pa kon ki se pou yon rele encore. Alix Gauthier, Radio Mega. Merci en pile Alix Gauthier, toujours dans même dossier ça kidnapping qui fait sur étudiants à la faculté sciences humaines Guyen. Un bien conseil coordination faculté sciences humaines dans l'université d'État d'Haïti qui dit apprendre avec en pile la peine en pile tristesse Zach enlèvement qui fait sur étudiant Yuri Valérie Léonard Derival dans zone rue Clermont à la matinière dans date de mercredi 27 avril 2021 étudiant Derival li actuellement sur étudiant finissant le département psychologie et l'ijustatut étudiant. Son étudiant exemplaire, bon comportement, les lignes espace faculté sciences humaines, mes conseils, coordination faculté sciences humaines, les condamnés, un bien Zach ça, Zach odieux ça, Zach kidnapping qui fait sur étudiant, Yuri Valérie Léonard Derival, pour demander avec instance concernée, pour capable prendre toute disposition pour permettre étudiant Yuri Valérie Léonard Derival, jouer libération là, en urgence, on dit bien avant longtemps. Ça, c'est ça qui peut notre protestation, conseil, faculté, sciences humaines, les mêmes qui mettaient dehors, dans la date qui était 28 avril 2021, monde qui signe en bas notre protestation, ça, pour conseil, là, c'est Jérôme Paul Eddy, les mêmes, qui c'est responsable académique, et Nora Boutus, qui c'est responsable administrative, non, en dedans, et sans pas oublier Josué Vaval, qui c'est coordonnateur. 5h45. N'a toujours été sous même dossier, ça, ne parle pas avec une membre comité mobilisation étudiant l'école normale supérieure Ronald Olissier qui dénonce Zach kidnapping qui fait sous Ronald Olissier dans faculté sciences humaines mardi 27 avril là Ronald Olissier alors étudiant yo kidnappé mardi 27 avril là qui c'est Yuri Derival étudiant yo et Ronald Olissier dénonce autorité concernée dit qu'il pas fait rien pour freiner phénomène de sécurité en pays en côté Ronald Olissier dans micro Peterson Blaise pays en insécurité. Et insécurité ça li nous capable garder sous des formes premièrement et bande armée occupée partout à travers et ghetto yo et par exemple nous capable garder Delma 6 et Cité Soleil pour citer ça seulement et deuxième aspect c'est vague kidnapping que n'a pas réussi dans pays depuis quelques temps et un aspect qui marque kidnapping c'est que nous et pas gagner différence ni en termes de couleur peau ni en termes de classe sociale ni en termes de profession quel que soit type de monde goyé en quelque sorte ou pas épargné et yo kidnappé médecin élève l'école et hier après-midi et nous capable dire que yo kidnappé un étudiant et une demoiselle qui est en faculté sciences humaines ça veut dire insécurité kidnapping non et il pas épargné personne. Voilà, ça c'est déclaration Ronald Olissier qui c'est étudiant dans l'école normale supérieure qui fait partie comité mobilisation qui condamne Zach kidnapping qui fait sur étudiant dans la faculté et sciences humaines n'a toujours été dans même dossier ça n'a fait jeudi à là ça fait déjà plus passer 15 jours mais religieux toujours dans main kidnapper toujours dans main mais c'est 400 maozoyo ça nouvelle ça qui toujours choqué bouleversé communauté l'église catholique qui après plus passer 15 jours
pour capable joindre la libération reste otage. Mais n'a pas rappelé tout maman et père Jean Arnel Joseph qui t'a pas installé comme curé non pas ouais ça dans galette chambon te joindre libération et puis t'es trois autres religieux et religieuses qui te joindre libération yo rete n'importe six l'autre otage dans mes monsieur 400 maozo yo mais jusqu'à présent là l'église catholique PIA en entier attend libération reste otage ça yo nous t'a dit tout hier dans information que n'était pas côté gagnent trois jeunes garçons qui eux-mêmes c'est Timon Lascaoba ça des département centre PIA qui information fait quoi monsieur 400 maozo tout enlevé yo qui dans même monsieur 400 maozo yo Zaka kidnapping ça qui continue à faire dans société à chaque jour qui passait côté bien Jean Désir Manuel Gaston Rival qui c'est directeur départemental centre PNH que bandit enlevé la fois passée là on dit avant-hier la Kali Sénégal avec un gros amlou yo même tout qui côté petit il témoigné c'est des nègres qui t'a débarqué avec machine on dit machine comme machine les tabarets comme si qu'on est ses bons amis ici ses partenaires qui viennent parler ensemble avec lui et puis ces actes qui d'après une fait sous les citoyens ça qui c'est en rival et situation ça j'en sous de la là hier était qu'en gros va panique dans zone avenue Pouplard j'en dis à Sénèque armé avec gros âme d'assaut gros âme dans gros calibre qui rentrer et la caille regarder ça dans PNH qui trouvait la caille qui trouvait dans zone la lutte pour tomber sous zone bras Verna yo exigé lui pour capable monter machine puis aller ensemble avec lui bien c'est une protestation mais moun dans zone ça et bouler en pile carotte bloqué circulation n'a dit tout gagne Kazek l'entour, Kazek, Wilken 17, Kazek, non, deuxième plaine, non, Tigouave. Antiguave qui kidnappent Georges la fois passée dans commune Delma mais c'est moun originaire Antiguave que lié côté moun Antiguave moun national numéro 2 a yo bloqué zone ça pour capable exiger libération Wilkins 17 qui les mêmes c'est Kazek dans ville Tiguave n'a dit avec Kazek deuxième plaine dans ville Tiguave côté jusqu'à présent situation pas trop normal côté moun a exigé libération Kazek Wilkins 17 qui pour capable une libération là. Oui, Nabdi avec Orival, même si ancien au gradé, non, PNH là, n'avance et sévère. N'a toujours été sous même un dossier insécurité avec réaction qui passe suspendue tombée. Action des juristes concertés pour la défense des droits humains, exprimé tête chargé au gain devant Zach Kidnappinio pour responsable AJCCDH là, Hudson Jean, kidnappinio passé dans phase phénomène Kounia. Défenseur doit m'en poser tête des questions pour demander est-ce que phénomène ça pas un outil déstabilisation. Hudson Jean m'a dit autorité au souké, koyo prend responsabilité yo pour empêcher puis défenser par population qui baille tête yo justice. Mais entendez, Hudson Jean, à micro Jean-Philippe Massé. Problème mon société côté l'État pas mettre la mesure pour l'attaquer de quitter après toute forme possible et bien qu'on y a là il vient dégénérer et kidnapping là vient un phénomène social ça veut dire il vient au niveau qu'on y a là pour l'État mais faut l'État t'a défini plusieurs plans parce que je dis à là tout le monde victime tout secteur victime et m'a même questionné est-ce que kidnapping n'a tout n'est pas pour nous outils de déstabilisation moi même comme technicien comme qu'a réfléchi parce que pour phase kidnapping n'a pas moi même pas la sécurité moi même relel tout il vient tellement un phénomène même m'a questionné moi dit est-ce que kidnapping n'a pas tourné aux outils de déstabilisation. Parce que je dis à la plus grand agent déstabilisateur dans le pays, le kidnapping. Même qui ça m'a demandé? M'a demandé l'État, c'est pour ça qu'il existe. M'a demandé le Premier ministre qui gagne tout système qui pour la sécurité dans le pays, pour le mettre en branle. Parce que l'État pas doit faire bac. Si c'est pas lui-même qui a encouragé, si c'est pas lui-même qui fait mes gel sous lui, il faut qu'il prenne son habitel. Gagnon n'a pas parole ensemble organisation politique d'opposition qui c'est Saint-Fleur Edouard qui expliquait cause kidnapping c'est un outil pouvoir en place à utiliser une façon pour empêcher citoyens qui en face pouvoir lever camper contre lui militant politique l'a mandé population haïtienne à lever camper pour chavirer pouvoir en place non en côté Saint-Fleur Edouard dans micro Alix Gauthier ou démettre aller Jésus-Christ ou descendre dans pays d'Haïti comme premier ministre kidnapping a toujours existé et kidnapping là j'aime ça dire là son outil des sanctions nèg yo construit. Zoutil des sanctions pour sanctionner tout le monde, tout citoyen, tout groupement, tout regroupement qui dit
Il n'est pas d'accord avec la question référendum, il n'est pas d'accord avec l'élection. Mandat Jovenel Moïse fini, il faut qu'il baille pouvoir. Pendant qu'on dit ça, eh bien, ils utilisent le kidnapping comme un outil de sanction. Nous, nos citoyens qui sont kazakhs, à Petit Gouave, le fait qu'elle dit qu'il n'y a pas d'espace pour le référendum fait, eh bien, ils sanctionnent sous Delma. Ça veut dire ouais, que le kidnapping est un outil de sanction. Ils ont utilisé pour sanctionner quel que soit citoyen, quel que soit individu, ou même prêtre. C'est kidnapping, non, c'est outil kidnapping, non, je sanctionne. Entre Brenner, on dit, mandat citoyen, ça finit, qui c'est le Jovenel là, kidnapping, non, il ramène les sanctionnés. Donc je dis, à part aucune façon, ou qu'à résoudre le problème kidnapping, non, c'est Jovenel Moïse pour déguerpir là. En Haïti, actuellement, gros problème économique. Presque pas de pile l'argent qui rentre dans la caisse l'État. Mais malgré pas de cob qui rentre dans la caisse l'État, l'État en place là, il a toujours besoin de cob pour faire lobby au niveau international. Après, à chaque kidnapping qui fait dans le pays d'Haïti, selon l'information que nous avons fait confiance, il y a 70% de cob qui allé dans le palais national et c'est comme ça qu'ils ont utilisé. Ils ont fait lobby pour pouvoir au niveau international, qui fait que l'international n'a pas de prendre position à travers tout ZAC. Kidnapping, massacre qu'on fait dans le pays d'Haïti. Et actuellement, c'est même comme kidnapping ça, qu'on brasse dans Kinam pour que soit élection. 5h55. Ancien parlementaire Rodon, bien-aimé quoi social démission président Jovenel Moïse Cap résoudre un problème de sécurité à cause de complicité avec Bandio Cap Simel La Pérez dans la population. Rodon, bien-aimé prend comme exemple la police qui par jamais rivé déjouer un cas kidnapping. Ça pouvait complicité pouvoir gagner d'après ancien député Rodon, bien-aimé qui était dans le micro Blaise Peterson. C'est pas président Jovenel Moïse parler au bon signe et laisse ça. Tout le monde qui a fait kidnapping, on va le sentir, on va le côté tolérer, on va le côté suffirer. Laisse ça, je pense que il y a des décisions par des hommes d'État et des femmes d'État responsables qui vont le prendre pour permettre que non seulement tout le monde va venir mettre des armes, péter les armes, et puis mener l'autre vie dans le pays, et puis ça doit arriver, ça doit arriver, ça doit aller en prison, ça doit aller en prison, ça doit libérer, ça doit libérer, et pour la paix. La liberté, la sécurité, la sérénité, retourner dans l'histoire haïtienne. Pour qui ça, quelqu'un qui est ensemble de ça, on ne va tout bailler support ça avec la nation, là, capable de même cap souffrir des nids, ça y est. Attention, en dépit de toute volonté qu'elle est capable de gagner, si mon cap fait kidnapping, il est soutenu par le pouvoir en place, il est soutenu par le palais national, il est soutenu par l'autre autorité dans le pays. Laisse ça, on va pas faire rien, même si c'est une volonté gagnée, même si toutes les politiques qui mettent ensemble, nous ne pouvons pas faire rien. Même si la communauté internationale a dévoyé la mission nation humaine militaire, viennent là, ils ne sont pas capables d'avoir une solution parce qu'ils sont soutenus par le pouvoir en place, par les autorités. Nous pensons que c'est autorité d'abord qui veut débattre et commencer à prendre des mesures appropriées et laisse ça y a peur. Il y a des armes et il y a des rentrer dans la vie civile, ils sont capables de réinsérer, ils sont capables de mener leur vie. Mais en logique, Blaise, le premier kidnappé, ils ont arrêté déjà. Le premier monde qui a kidnappé, ils ont libéré. Ministre, vous nous dites bien l'autre information dans le journal, la ministre qui charge les questions électorales à relation avec un parti politique, Mathias Pierre, présenté à mercredi, est à avancement processus électoral. D'après ministre Pierre, toute disposition déjà prend pour déroulement référendum sous nouveau constitution, côté qui plus passé 4 millions de monde qui enregistré pour participer là-dedans, dans nouveau constitution, ça, dans référendum, non. Toute disposition prend tout pour organisation prochaine élection, qui prévoit fête, dans fin année 2021. On suit le reportage avec un collaborateur, nous, José Belamour. 60 jours avant, il faut que le registre soit transféré. Processus d'enregistrement citoyen a continué dans ONI. Quel que soit le monde qui est enregistré après date 26 avril, là, pas bien accès pour voter référendum, non. Mais il est capable seulement de participer dans la prochaine élection qui prévoit dérouler dans le finissement année 2021. Comme élection prévue pour 19 septembre, la fin 19 juillet, donc tout le monde qui va enregistrer après eux, il est capable de continuer à voter dans l'élection. Occasion pour ministre Pierre annoncer différentes étapes qui franchit pour organisation élection Sayo. 80% et plus bureaux et centres de vote à travers PIA étant évalués par le CEP et la police nationale et les experts de l'UNOPS. Et au niveau centre qui vous permet recevoir matériel, organiser matériel, centre Sayo, vous mettez à disposition CEPA. D'ici le 15 mai, vous avez gagné premier contingent de matériel
cas privé dans le pays qui pour permettre de transmettre dans différents départements pour que l'élection arrive pour le référendum pour transférer dans différents bureaux. Au niveau personnel, tout personnel électoral là est en place. Ça veut dire que le recrutement fait pour tout BEC, BED. Nous avons 477 personnes qui recrutent par CEPA, président, secrétaire, trésorier pour BEC et BED. Tout recrutement ça est en fait. Et tout le monde ça yo getan engagé formation bien en fait par CEPA pour yo. Il y a une cellule de sécurité électorale li même tout qui a travaillé d'arrache pied qui rejoint par les forces armées d'Haïti. En tout cas, ministre Pierre fait qu'on est gouvernement a travaillé pour arriver joindre un accord politique avec différents secteurs dans pays a parmi yo opposition pour retirer pays a dans situation trouvé le journée jodi a. Mais différents acteurs dans opposition semblaient pas décider collaborer avec président Jovenel Moïse. Yo dit qu'il pas gain légitimité depuis après 7 février 2021. D'ailleurs, yo pas suspend annoncé, yo pas dans dossier référendum ak élection ak chef l'état. Josué Belamour, Radio Méga. Merci ensemble avec Josué Belamour pour reportage Asila en avant en tête nationale pour une transition Ripti, Force nationale pour démocratie, MTV Haïti à coopération tête ensemble c'est 5 secteurs ça, secteur politique ça qui a adopté une déclaration conjointe dans l'idée pour joindre une solution à crise qui a brassé bill pays. Résolution ça signé tout pour voir un signal clair by communauté internationale là et puis leader politique dans pays sous nécessité pour gagner unité dans tout secteur dans la vie nationale là dans intérêt pays. D'après ancien député Arondo Bien-Aimé, youn nan signate akòd sa, ancien député Seka Kava la pat met dlo nan bouch li pour critiquer Luis Amalgo, secrétaire général OEA qui d'après ancien membre commission économie et finance nan chambre député a nan chambre député nan complicité ak pouvoir en place là en côté Arondo Bien-Aimé. Nous rive met tête nous ensemble là pour nous capable ou comment nous capable conjuguer effort nous ensemble pour retirer pays à dans tout côté le tombé là parce que comme en pile force en pile main en pile solidarité bref et résolution et décision pour signer notre conjoint ça ça pas veut dire nous comme dans l'autre mais c'est pour nous un signal clair par ni les acteurs politiques nationaux les autres et ni la communauté internationale fait haïtien que nous décidons pour nous mettre nous ensemble, pour nous unir nous, pour nous conjuguer force nous, pour nous rester dans la goumée, pour nous dire pays à côté de l'Asie. C'est notre objectif ça, qui fait nous signer notre conjoint ça. Après, en pile contre notre pays, par rapport à la position la communauté internationale. Là, nous parlons de la communauté internationale, nous parlons de l'ONU, nous parlons de OEA, même si OEA c'est l'ONU. Nous parlons de l'Union européenne, même si l'Union européenne s'est trouvée en Daonie aussi. Nous pensons que c'était de bon temps pour faire des petits rappels et adresser nos correspondants, accompagnés de l'ensemble de ces considérants, non seulement à l'OEA, à le conseil permanent OEA, et à secrétaire général l'ONU spécialement. 6 heures. N'avance avec information toujours dans le même dossier, ça a gagné ancien sénateur Steven Irvinson Benoît, il n'a pas parole en tente nationale pour une transition coupée fâchée, qui signe une déclaration conjointe, là, fait qu'on ait un accord possible en tout protagonistio, pour jouer un départ ordonné pour président Jovenel Moïse, qui doit quitter pouvoir avant longtemps. D'après ancien parlementaire, si c'est Blanc qui vient prendre un Jovenel Moïse sous pouvoir, c'est international, là, qui a metté moun pal. Steven Irvinson Benoît fait qu'on ait doué gagner un pouvoir Union nationale, qui doit venir organiser élection générale, pas bon site après départ chef l'État. En côté Steven Irvinson Benoît. À travers un document de 2 pages, nous clair, nous dit, et tout le monde m'a dit, papa ici, l'église catholique, l'église protestante, tout le monde m'a dit, un accord politique qui est exclusif. Et dans l'accord, nous très clair, nous-mêmes nous disons, nous avons un deal, nous avons un faux dialogue, nous avons un fait bon morceau, ma bon ça. Nous avons une compromission. Nous dit un accord possible. D'ailleurs, nous avons écrit, nous déjà mis un petit bras dans la ville de Salala. Et nous dit un protagoniste. Nous avons dit un protagoniste. Un pile protagoniste. En pile, nous avons dit protagoniste. Il y a opposition politique en face du Ophel. Non. Les protagonistes, c'est oui l'opposition politique. Mais c'est aussi l'église catholique qui dit Jovenel, nous parlons encore de l'enfant. C'est aussi l'église protestante qui dit Jovenel Moïse, nous avons fini le poil. L'église anglicane dit proposition publique.
la Fédération des barreaux qui prend position publique, la société civile en grande majorité prend position publique, quelques monde pas cap dire toutes quelques institutions nom de cap dou dans le secteur privé donc association patronale c'est seul au même qui proposition cap prend position publique mais vaste majorité population que c'est à travers des textes que à travers des manifestations massives yo fait à travers tout pays là yo c'est protagoniste crise là parce que c'est tout monde ça yo contre un seul homme avec ces gangs, ces criminels, donc un régime de PHTK. Donc, nous devons être clairs sur mon protagoniste. Et nous-mêmes, nous disons tout, notre même paragraphe-là, nous disons nous besoin un départ ordonné, parce que si Jovenel Moïse, je dis à quel rite, ou bien avion blanc, pas l'avion, couleur blanc, avion vin blanc à 2h du matin, là, aller à madame, comme petite yoguette après de venir au Canada déjà, demain matin, on va retrouver devant vide, donc départ là, à désordonner.